Nous avons eu le plaisir d'accueillir à Océanopolis la naissance de trois requins pointe blanche il y a une quinzaine de jours. Ces trois requins sont issus d'une femelle qui vit dans cet aquarium. Il y a un couple de requins pointe blanche que nous avons installé dans ce bassin il y a une vingtaine d'années. Mais il a fallu en fait pratiquement 15 ans pour mettre en place les conditions pour que ce couple se reproduise. C'était un petit peu délicat de connaître le moment exact de la mise bas parce qu'on ne connaissait pas le moment de l'accouplement et on ne connaît pas non plus précisément la durée de la gestation. On sait que c'est aux alentours d'environ 12 à 14 mois, mais on n'est pas à un mois près. Donc cette femelle a été isolée pendant plusieurs mois dans le bassin. Nous avons attendu, surveillé, fait des échographies qui ont permis de constater qu'il y avait effectivement des embryons. Le requin pointe blanche est une espèce vivipare, hein, c'est-à-dire que les embryons vont se développer dans le corps de la femelle, exactement comme chez les mammifères. La queue sort d'abord et c'est un petit peu difficile à certains moments parce qu'il mesure environ 50 à 60 cm déjà, c'est déjà des gros requins. C'est pour ça que notre équipe a assisté un petit peu la femelle pendant la mise bas. Quand les petits avaient du mal à sortir un petit peu, ils ont très délicatement aidé en fait les petits à sortir pour que tout se passe bien. Et finalement, nous avons eu le plaisir donc de constater la naissance de trois juvéniles qui sont en pleine forme, qui sont des répliques exactes des adultes, en fait. Et ils sont capables de chercher leur nourriture et d'être totalement autonomes au bout de quelques jours. Ces trois jeunes requins vont en fait bientôt quitter Océanopolis dès qu'ils auront pris un cycle d'alimentation très régulier, qu'ils auront pris un petit peu de poids. Nous allons chercher parmi nos partenaires aquarium, en France et éventuellement en Europe, des structures qui pourraient les accueillir. Et tout ceci est organisé dans le cadre de programmes de reproduction et d'échange d'espèces de requins et raies en Europe afin de favoriser le développement des populations dans les aquariums sans prélever les animaux dans le milieu naturel et tout en favorisant une bonne diversité génétique au sein des structures.